Has somebody started the webinar? Sh Not should I yet. go ahead and start it? Yeah. Well, it's 8, Yes, so you okay. can, yeah. Okay. Excellencies, ladies and gentlemen. Excellences, mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à notre dialogue politique virtuel sur le patrimoine documentaire. Je m'appelle Lai Chipang, je suis la présidente sous-comité pour la préservation du Comité consultatif international et c'est moi votre hôte ce matin. Ceci a été organisé grâce au sous-comité pour la préservation du programme Mémoire du Monde et en partenariat avec groupe de travail sur la préservation de l'information du programme Information pour tous. Ce dialogue de politique virtuelle vise à fournir une plateforme pour discuter des priorités actuelles en matière de préservation du patrimoine documentaire et pour identifier des éléments importants d'un grand programme international de préservation du numérique. Le dialogue sera mené en deux sessions pour s'adresser à un auditoire international dans différents fuseaux horaires. Il y aura une traduction simultanée des sessions en français et en anglais. Donc, ceci est la première session et nous parlerons de questions comme l'identité culturelle et la durabilité. Dans la deuxième session de cet après-midi, nous parlerons de technologie et des cadres juridiques. Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que nous avons plus de 1 000 participants qui se sont enregistrés à ce dialogue d'aujourd'hui. Merci. Outre la séance Zoom, ce webinaire sera également sur la chaîne YouTube de l'UNESCO et vous pourrez le regarder à tout moment. Et vous pourrez participer au dialogue en français ou en anglais, comme vous pouvez le voir à l'écran. Nous avons aujourd'hui avec nous de nombreux éminents intervenants d'institutions mémorielles, de l'université et de la communauté pour discuter et identifier les lacunes de politique dans le domaine de la préservation numérique. Les résultats de la discussion seront présentés dans un rapport qui présentera les messages clés et les recommandations qui ensuite alimenteront le deuxième forum de politique mondiale de mémoire du monde sur la réduction des risques de catastrophe et la gestion des risques pour la préservation durable du patrimoine documentaire qui se tiendra l'année prochaine. Je voudrais maintenant souhaiter la bienvenue au directeur général adjoint de l'UNESCO, le Dr Jin Chu, qui va nous faire des remarques de bienvenue. Il est ambassadeur de Chine en Belgique depuis 2014. Il a été nommé directeur général adjoint de l'UNESCO en 2018. Il parlera en français et en anglais. Excellencies, ladies and gentlemen. Excellences, mesdames et messieurs, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir tous à ce dialogue politique sur le sujet patrimoine documentaire en péril, lacunes des politiques en matière de conservation numérique. La manifestation d'aujourd'hui a lieu en ligne pour les raisons que nous ne connaissons que trop bien. La COVID-19 touche tous les aspects de nos vies, pas seulement notre santé, mais aussi nos systèmes éducatifs, notre vie culturelle et nos interactions sociales. Cependant, la pandémie est en train de réécrire notre présent, mais un grand nombre d'enseignements utiles sur la façon d'aborder cet événement sans précédent peuvent se retirer du passé et servir de sorte de fenêtre sur le monde, ce qui est d'ailleurs le thème de notre journée mondiale du patrimoine audiovisuel de cette année. Et qui tombe aujourd'hui, qui coïncide avec ce dialogue.
Les archives, effectivement, détiennent de nombreuses réponses à des questions contemporaines. Et ils nous parlent de l'impact social d'épidémies précédentes, y compris l'épidémie de grippe espagnole qui a tué 50 millions de personnes entre 1918 et 1920. Et elles expliquent pourquoi les historiens et les conservateurs qui se spécialisent dans ce domaine ont été les premiers à alerter sur les dangers des rumeurs et des fausses informations et à souligner l'importance de la transparence. Et comme ceci le montre, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de questionnement du passé par le présent sans archives. Sans archives, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de justice ou de réconciliation. Protéger, conserver, préserver, mettre en catalogue et diffuser ces archives est par conséquent un devoir moral, pas simplement pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir. Les générations d'aujourd'hui et de demain ont le droit inaliénable d'avoir accès et d'avoir l'utilisation des archives de leur passé. Et c'est là qu'intervient le programme Mémoire du Monde. Ce programme a été lancé pour préserver le patrimoine documentaire de l'humanité en facilitant sa préservation, en encourageant un accès universel à ce patrimoine et en sensibilisant le public à l'importance des archives. L'une des façons dont on le fait principalement, c'est en appuyant des mesures qui permettent de faciliter la protection et le partage des matériels détenus par les archives, les bibliothèques, les musées et différents organismes d'éducation et d'autres institutions mémorielles de par le monde. La manifestation d'aujourd'hui vise à sensibiliser à ces efforts. Elle vise à discuter des défis de la conservation à long terme du patrimoine documentaire et des risques que nous avons de perdre l'accès à ce patrimoine. Et se fonde sur la déclaration de l'UNESCO visant à transformer la menace de la COVID-19 en une opportunité pour un plus grand soutien au patrimoine documentaire. Cette déclaration a souligné un certain nombre de questions importantes que je voudrais partager avec vous pour orienter vos discussions au cours de notre dialogue d'aujourd'hui. Tout d'abord, elle a souligné le fait qu'il était nécessaire d'investir davantage dans la préservation du patrimoine documentaire. Ceci inclut une plus grande sensibilisation sur la pertinence des institutions mémorielles dans la crise actuelle. Un point d'ailleurs qui a été repris au cours des consultations de l'UNESCO sur l'impact de COVID-19 sur les institutions mémorielles en Afrique. Les participants ont parlé des terribles pertes de financement dont souffrent les archives, les bibliothèques et les musées, et qui ont évidemment eu un impact sur leur capacité à servir le public. Elles ont également souligné l'importance qu'il y a à construire des plans de préparation d'urgence qui soient solides et afin d'être plus résilients dans les crises futures. Deuxièmement, la pandémie a montré qu'il fallait assurer un accès universel au patrimoine documentaire. À cet égard, l'UNESCO a créé une page dédiée avec des ressources pour les professionnels du patrimoine documentaire qui présentent des exemples de la façon dont les scientifiques, les décideurs et le public peuvent apprendre des pandémies passées, ainsi que nous parler également de la façon dont les institutions mémorielles elles-mêmes gèrent la crise. Alors que la pandémie continue, les efforts documentaires réalisés par les institutions mémorielles seront tout à fait cruciaux pour aider les générations futures à comprendre la complexité et la portée de cette crise, ainsi que de la façon dont l'on pourra demander des comptes aux décideurs d'aujourd'hui. Troisièmement, il est critique que nous mettions en place de bonnes interventions en matière de politique publique, nationale et institutionnelle.
Et ce n'est que comme cela que nous nous assurerons que les risques naturels ou liés à l'homme qui menacent notre patrimoine documentaire soient effectivement bien gérés. Un aspect d'ailleurs clé de tout cela, c'est justement la conservation numérique qui vaut non seulement pour les documents analogiques, mais aussi pour des matériels de patrimoine documentaire qui avaient été initialement créés en numérique et qui, comme l'observe la déclaration de Vancouver de 2012 sur la mémoire du monde, qui peuvent irrémédiablement être perdus. Nous risquerons de perdre à jamais une partie du mémoire documentaire mondial. Cet héritage, aujourd'hui en péril, représente une mémoire vive, inestimable pour le façonnement de nos sociétés. Dans les zones fragilisées par la guerre et les troubles sociaux, et dans celles les plus exposées aux catastrophes naturelles, le manque de moyens s'ajoute généralement aux menaces qui pèsent sur ce patrimoine documentaire. Ces questions essentielles seront abordées au cours du dialogue politique virtuel d'aujourd'hui, à travers 4 volets thématiques étroitement liés au patrimoine documentaire, l'innovation technologique, les cadres juridiques, l'identité culturelle et la durabilité du point de vue environnemental, social et économique. À bien des égards, cette discussion contribuera à appuyer la mise en œuvre par les États membres de la recommandation de l'UNESCO concernant la préservation et l'accessibilité du patrimoine documentaire, y compris le patrimoine numérique. Cette recommandation datant de 2015 constitue le principal instrument normatif guidant l'action de l'UNESCO dans ce domaine. Cependant, il nous faut aller plus loin. Nous devons poursuivre la discussion en bâtissant des partenariats durables pour une action plus efficace sur le long terme. Les recommandations politiques émanant de ce dialogue seront présentées lors du 2e Forum mondial de mémoire du monde qui devrait se tenir l'année prochaine. Cet événement permettra de consolider la solidarité et l'action collective internationale en faveur du patrimoine documentaire. C'est bien là l'objectif de ce dialogue virtuel, le premier organisé par le sous-comité de préservation du programme Mémoire du Monde. L'UNESCO réaffirme ainsi son soutien à l'initiative Persiste qui offre un plan d'action pour la collaboration de l'UNESCO avec le Conseil international des archives et la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèque. Il nous faut aujourd'hui redoubler d'efforts en faveur de cette richesse documentaire partagée qui constitue une part essentielle de notre historicité commune. Selon le mot de Federico Maier, ancien directeur général de l'UNESCO, il faut se souvenir du passé, non pas pour rouvrir de vieilles blessures, mais pour les refermer. Dans cet esprit, je vous souhaite des délibérations fructueuses pour ce qui permet d'être un dialogue productif. J'invite à présent M. David Fricker, président du Conseil international des archives et l'un des 4 vice-présidents du Comité consultatif international de la mémoire du monde, à prendre la parole. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much, Deputy Director General. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général Adjoint. Thank you very much, Mr. Chu, for the thought-provoking remarks and your guidance. Merci beaucoup, Monsieur Chu, pour ces réflexions. Je voudrais maintenant inviter Monsieur David Fricker, président du Conseil international des archives, à faire l'intervention.
d'honneur. David est quelqu'un que nous connaissons tous bien au sein des institutions mémorielles et au sein du secteur de la conservation numérique. Il est le vice-président du Comité consultatif international de mémoire du monde de l'UNESCO et directeur général des Archives nationales d'Australie depuis 2012. En 2015, il a été fait chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres de la République de France. Je l'invite maintenant à s'adresser à nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laïté, pour cette présentation. Merci également à M. Jin Chu, le directeur général adjoint, et merci aussi à M. Faxon Banda, responsable de l'unité du patrimoine documentaire de l'UNESCO. Merci d'avoir organisé cette manifestation. Je vous parle depuis Canberra, en Australie, qui est construite sur les terres des peuples autochtones Gambri et Nunganawal. Et je voudrais commencer par exprimer tout mon respect à leurs anciens d'hier et d'aujourd'hui, Ngandingalingami, Nunawal, Nanibu Dan Nyungu. En octobre 2003, l'UNESCO a adopté la charte sur la conservation du patrimoine numérique. Cette charte a formalisé la reconnaissance par l'UNESCO du fait que de plus en plus de ressources du monde culturel et éducatif sont produites, diffusées et en accès numérique plutôt que sur papier, sur film ou d'autres formats analogiques. 12 ans plus tard, en 2015, l'UNESCO a adopté la recommandation concernant la préservation et l'accessibilité au patrimoine documentaire, y compris le patrimoine numérique. Alors, comme l'a dit le directeur général adjoint tout à l'heure, ces deux instruments sont fondamentaux parce qu'ils expriment parfaitement la valeur du patrimoine documentaire numérique et ils confient au programme Mémoire du Monde la responsabilité de sensibiliser davantage à la protection de ce patrimoine et à assurer une accessibilité universelle et permanente à ce patrimoine. Ceci est la mission du sous-comité pour la préservation de Mémoire du Monde et son projet persiste, qui a vu le jour à la conférence de 2012 de Vancouver sur la mémoire du monde à l'ère numérique. Parce que à l'ère numérique, la préservation numérique de la mémoire collective de l'humanité n'a jamais été plus importante qu'aujourd'hui. Mais les défis et les difficultés ne sauraient être sous-estimés et les institutions mémorielles ne peuvent se reposer sur leurs lauriers. Dans le monde, il y a toute une série de méga-tendances qui, si l'on y prend garde, pourraient mettre en danger les aspirations de la charte et de la recommandation. Voici quelles sont ces méga-tendances. D'abord, de plus en plus de désinformation. Je cite notre collègue, le Dr Faxon Banda, et nous avons vu une sorte d'infodémie où les informations qui ne sont pas fiables ou qui sont carrément fausses sont délibérément diffusées afin de manipuler l'opinion publique et afin d'empêcher les personnes à accéder à des informations authentiques et en apportant de ce fait une sorte de perversion du discours public et en empêchant les personnes de jouir de leurs droits. On voit par ailleurs des cycles de technologie de plus en plus courts, avec une obsolescence très rapide de la technologie qui pourrait entraîner la perte de matériel numérique culturellement important. Ensuite, les lignes sont de plus en plus floues entre les institutions traditionnelles et non traditionnelles comme préservateurs du patrimoine documentaire. Par exemple, lorsque des entreprises commerciales sont utilisées pour le stockage à long terme et l'accès à un patrimoine important. Alors que les cadres juridiques dans notre économie numérique n'arrivent pas à suivre, ceci peut poser un problème en matière de droit universel à l'accès à l'information. Et puis, il y a aussi la récession économique à la suite de la COVID-19 qui fait qu'un grand nombre d'institutions mémorielles auront un déficit de financement juste au moment où il nous faut justement enregistrer toutes ces expériences internationales liées à la pandémie. Et récemment, notre association a publié une déclaration à ce sujet. Je vous invite à vous rendre sur notre site.
L'impact également des catastrophes naturelles est lié à l'homme, par exemple à la suite du changement climatique, avec l'augmentation du niveau des mers et des événements climatiques extrêmes, font peser un vrai risque sur la préservation de notre patrimoine, où il y a aussi les conflits armés qui peuvent entraîner des destructions à grande échelle du patrimoine par le biais de pillages ou de trafic illicite. Dans le contexte de ces tendances majeures et d'autres encore, ce dialogue politique virtuel d'aujourd'hui se concentrera sur quatre grands défis qui se posent aujourd'hui à la conservation numérique. Ça permettra en particulier de définir un ensemble de priorités pour la politique de conservation numérique et cela guidera les travaux en cours du sous-comité de préservation de la mémoire du monde de l'UNESCO. Alors permettez-moi de vous présenter une fois de plus les grands défis d'aujourd'hui. D'abord, il s'agit de se demander comment nous protégeons l'identité culturelle qui risque de se perdre. Quelles sont les politiques qui sont nécessaires pour pouvoir identifier les cultures fragiles ou menacées qui risquent de disparaître en raison du changement climatique, de bouleversements géopolitiques, de conflits ou d'autres évolutions sociales? Comment pouvons-nous utiliser la réduction, la gestion, la limitation et la gestion des risques de catastrophes comme stratégie de conservation numérique? Deuxièmement, comment assurer la durabilité du patrimoine documentaire. Ça n'a jamais été une tâche aisée. Cependant, à la suite de la pandémie que nous connaissons aujourd'hui et du ralentissement économique, il est probable que nous assistions à une forte réduction des fonds publics en faveur des institutions mémorielles. Et cela tarirait les sources de financement nécessaires à la conservation numérique. La recommandation invite les États membres à collaborer, à coopérer. Elle invite les États membres à unir leurs forces et à partager leurs ressources chaque fois que cela est possible. Alors, existe-t-il des solutions politiques par le biais de partenariats qui peuvent fournir de nouveaux modèles de durabilité qui ne dépendent pas de nouvelles sources de financement? Le défi suivant, c'est la technologie. La technologie, ça englobe les risques découlant de l'obsolescence de la technologie, sur laquelle on compte pour sélectionner, conserver et maintenir l'accessibilité au patrimoine documentaire. Une grande partie du patrimoine du XXe siècle est conservée sur bande magnétique et aujourd'hui, tous les formats sont obsolètes et le matériel connaît un besoin urgent de préservation numérique. La tâche est immense et le temps ne nous aide pas. Le quatrième grand défi dont j'aimerais vous parler, il concerne les cadres juridiques. Et là, je peux dire que nous connaissons un besoin urgent de leadership à la fois au niveau national et international. Le projet technologique est à la fois rapide, implacable, et les changements structurels de nos économies numériques continueront à voir une prolifération du patrimoine numérique accumulé de manière non traditionnelle. Cependant, les évolutions législatives se produisent à un rythme glacial. L'élaboration de politiques efficaces est nécessaire au sein des juridictions internationales, nationales et provinciales pour maintenir la capacité des institutions mémorielles à sélectionner et à préserver le patrimoine documentaire numérique et pour faire respecter le droit universel d'accès au patrimoine culturel. Ce premier dialogue politique virtuel de la mémoire du monde est un événement important et en ma qualité de président du Conseil international des archives et de vice-président du Comité consultatif international de la mémoire du monde, eh bien, je suis ravie de voir la participation d'intervenants aussi éminents réunis dans ce format en ligne, international et novateur. J'attends donc avec impatience nos débats et je vous rejoindrai à nouveau dans une autre session avec vos collègues pour synthétiser les principaux résultats qui fixeront l'ordre du jour du sous-comité de préservation alors que nous sommes confrontés aux défis actuels de la sauvegarde du patrimoine documentaire de l'humanité. Je vous remercie. Thank you, David, for outlining Merci, David,
Merci de nous avoir présenté les 5 méga-tendances et les 4 grands défis auxquels les États et les praticiens de la préservation numérique sont confrontés. Excellences, mesdames et messieurs, nous allons à présent commencer la première séance de ce dialogue politique virtuel et nous allons évoquer les questions liées à la conservation numérique, liées à l'identité culturelle. Chaque présentation sera suivie d'un petit dialogue entre parties prenantes avant d'ouvrir le débat avec les questions du public. La modératrice de ce débat est Madame Shubha Chowdhury, directrice des archives et du Centre de recherche en ethnomusicologie à New Delhi, en Inde. Elle a été vice-présidente de l'Association internationale des archives sonores et audiovisuelles. Elle a également siégé au conseil exécutif du Conseil international de la musique traditionnelle. Elle était consultante dans le cadre du projet de l'OMPI relatif au patrimoine créatif et pour l'UNESCO dans le cadre du projet de cartographie culturelle et de musée interactif. Et vos panélistes. Sorry about that. Greetings everyone. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi que de vous présenter en quelques mots cette première partie du dialogue politique. Il s'agit de l'identité culturelle en danger. Je vais vous présenter notre première oratrice de ce matin. Il s'agit de Rina Tiwari, qui est professeure à la Curtin University d'Australie. Elle va nous parler d'une approche très novatrice de l'utilisation des technologies numériques. C'est à vous, Rina. Thanks, Shubha. Merci. Merci, Shubha. Bonjour à toutes et à tous. Je vous parle depuis l'Australie. Je voudrais commencer par reconnaître et remercier les survivants des Mugambeur et leurs familles. Which represents the interests of the stolen generation survivors. Ils représentent les intérêts de la génération volée. Comme l'orateur précédent vient de le dire, les questions de perte d'identité culturelle deviennent de plus en plus importantes aujourd'hui. D'abord, on parle du patrimoine immatériel et deuxièmement, lorsque ce patrimoine immatériel appartient aux Premières Nations, et encore plus lorsque l'on essaye de le préserver dans un cadre numérique. D'où ma présentation d'aujourd'hui, qui va évoquer des questions liées à l'authenticité, à l'appropriation et à l'intrusion numérique dans le cadre du patrimoine matériel et immatériel des Premières Nations. Dans les débuts des années 1900, l'Australie avait une législation qui permettait de faire en sorte que les enfants aborigènes, à partir de l'âge de 3 ans, étaient enlevés de force de leurs parents et étaient passés dans des internats, des institutions ou dans des missions. Pour les survivants de la génération volée, c'est-à-dire ces enfants qui ont survécu et dans ces internats, dans ces missions, eh bien, ces lieux sont vraiment des lieux d'incarcération, de perte, de traumatisme. Néanmoins, pour de nombreux survivants, c'est néanmoins l'endroit où ils ont grandi. Et même si ces sites, ces missions maintenant ont été abandonnées, eh bien, elles portent encore beaucoup de souvenirs. Notre projet Mission Connect a été mise en place pour justement rapporter l'histoire des générations volées de leurs familles. Et l'idée, c'est de créer un modèle de réalité virtuelle pour pouvoir raconter l'histoire de ces survivants, de ces générations, cette génération volée. So,
What is Mission Connect? Alors, qu'est-ce que c'est que Missions Connect? Je vais vous proposer de regarder un petit clip qui va vous donner un aperçu rapide de notre projet Missions Connect. Missions Connect. Missions Connect est un environnement de réalité virtuelle qui permet de rassembler les histoires des survivants des générations volées. Ça permet de s'immerger dans leur vie. Il s'agit d'un partenariat entre la Curtin School of Design et Built Environment et un organisme aborigène qui représente la génération volée. Missions Connect utilise des technologies de pointe du secteur spatial, d'imagerie spatiale, et parle avec des survivants pour recréer des endroits qui sont associés à l'enlèvement de force des enfants aborigènes de leur famille. Et les utilisateurs peuvent évoluer dans des environnements en trois dimensions, voir les meubles, le mobilier, etc. Mais vraiment, l'intérêt, c'est que les survivants racontent l'expérience qu'ils ont vécue. Pour les utilisateurs, relier les histoires à des lieux, ça permet vraiment de faire preuve de davantage d'empathie et de mieux comprendre. Et pour les survivants, c'est un lieu de réconciliation et de guérison. La plateforme peut être utilisée par des casques de réalité virtuelle ou alors sur des écrans en 3D. Et il y a 1000 organisations, entreprises qui ont mis en place des plans d'action pour la réconciliation. Et il y a également de nombreux établissements scolaires et des dizaines d'universités qui ont travaillé dans ce cadre-là. Maintenant que nous en savons un petit peu plus sur Missions Connect, je vous propose de parler du premier sujet. Nous savons à quel point il est important de reconnaître les éléments du patrimoine immatériel, les histoires qui font partie du patrimoine. Néanmoins, ça a des conséquences. Si on ne fait pas cela de manière appropriée, eh bien, cela peut mener à une distorsion de ces éléments culturels. Afin d'éviter cela et garder vraiment une perspective authentique, décolonisée, il est important d'avoir une planification durable très tôt dans la production et dans la gestion de ces éléments-là. Chez Missions Connect, le processus de création d'environnement se fait sous le contrôle des aborigènes. Il y a quatre étapes dans la production. D'abord, on a cartographié des lieux avec des recherches documentaires dans les archives et surtout en utilisant les cartes qui ont été créées par les survivants. Ensuite, il s'agissait d'écouter les survivants et de relier leurs histoires aux endroits. Troisième élément, cataloguer, classer les objets, les placer dans les environnements reconstruits en réalité virtuelle, donc leur créer un cadre. Et ensuite, il s'agissait de retracer les pratiques, c'est-à-dire retracer les activités, les routines des survivants et les intégrer dans l'environnement de réalité virtuelle, à l'endroit exact où ces activités étaient menées. Et il s'agissait vraiment d'impliquer totalement les survivants pour pouvoir justement préserver ces éléments culturels. Alors, comment s'assurer maintenant que ces actifs culturels, lorsqu'ils sont partagés, ne soient pas dévoyés? Il s'agit vraiment d'éviter cela parce que le patrimoine social, le numérique sont gérés en même temps chez Missions Connect. Les informations sur les éléments physiques sont captées ici, tandis que les souvenirs des survivants sont captés ici, dans ces bulles.
Et l'environnement de réalité virtuelle permet de donner un contexte et donc ça permet de réduire le risque de dévoyer des souvenirs la réalité. Il est important que ce patrimoine numérique contextualisé et décolonisé soit vraiment pris en compte. Il y a un certain nombre de questions qui se posent sur la gestion et sur l'appropriation des éléments de patrimoine culturel. Il est important pour les communautés aborigènes de garder le pouvoir de décider si certaines pratiques culturelles ou certaines connaissances traditionnelles peuvent être partagées ou non. Par exemple, chez Missions Connect, c'est un survivant qui a décidé quel aspect ou quel bâtiment était important. Pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont noté la signification de chaque bâtiment pour eux. Vous voyez ici sur les barres. Alors, vous voyez ici, il y a un dortoir qui a été un lieu dans lequel il y a eu des abus. Et on s'est demandé comment faire en sorte que ce lieu ait une place dans l'environnement de réalité virtuelle à l'avenir. Alors, on voit qu'il serait possible d'avoir un répertoire du patrimoine vivant. Alors, dernier point sur le fait de s'introduire de manière numérique sans autorisation. Alors évidemment, quand on est dans un vrai lieu physique, on paierait sûrement un tarif pour pouvoir accéder. Mais comment peut-on faire ça pour un espace numérique? Eh bien, on peut avoir un système de paywall ou alors une licence pour des organisations comme des musées, des galeries. Néanmoins, il est important pour les décideurs politiques de bien envisager le rôle des règles en matière d'utilisation du numérique. Je voudrais vous rappeler une histoire. C'était pendant la réunion de Mongambert où nous avons eu la possibilité de montrer notre travail à des survivants et aux familles. Et nous avons vu, à notre grande surprise, que c'était les enfants qui étaient attirés par cette technologie, parce que pour eux, c'était un jeu vidéo et ça leur permet de comprendre l'histoire. Il y a normalement Elliot et vous pouvez voir ce qu'elle en a pensé. Elle avait 17 ans, elle a dit « c'est une connexion très spirituelle qui m'a attiré les larmes des yeux lorsque j'ai entendu parler des événements historiques passés qui se sont produits ici et des âmes qui ont dû endurer tout cela ». Je vous remercie. Thank you very much, Rina, for that. Merci beaucoup, Rina, pour cette présentation tout à fait éclairante et ça nous a permis d'avoir un autre regard sur les technologies numériques. Et je crois que la question de la guérison, de la réconciliation sont absolument indispensables lorsque l'on parle de préserver l'identité culturelle. J'aimerais maintenant inviter Madame Tepaya Paringatai de l'Université de Canterbury à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Je l'invite à réagir à ce que vous venez de dire et à poursuivre donc le dialogue. Tepaya, c'est à vous. Merci, Shuba. Oui, tout d'abord, je voudrais vraiment aller dans le sens de ce qu'a dit Rina pour vraiment aller dans le sens de la réconciliation pour les Australiens. Et j'ai été très frappée par votre présentation qui était touchante parce que vous avez parlé de la souveraineté des peuples aborigènes. Et l'idée, en fait, de la souveraineté des peuples aborigènes est très importante. C'est important pour les décideurs politiques, même si, en fait, le sujet n'est apparu qu'en 2016. Et je pense que c'est le droit des aborigènes de posséder, de s'approprier les données qui leur appartiennent et aux membres de leur communauté, leur territoire. C'est quelque chose qui est appuyé par les peuples aborigènes. Il s'agit de leur droit à l'autodétermination.
Et ça figure dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples indigènes. Et donc, il est autochtone. Il est important que nous puissions étudier la question de la souveraineté autochtone et la préservation de leur patrimoine numérique. Et à partir de là, essayer de voir quelles pourraient être les lois en matière de gouvernance de la souveraineté aborigène. Voilà, je m'en tiendrai à cela parce que je sais que j'ai un collègue qui souhaiterait également participer à cette discussion. Mais en tout cas, j'aimerais bien que l'on puisse discuter de ces questions-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Taipea. C'est un point très important et j'espère que cela trouvera une place dans nos documents de politique. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, j'aimerais donner la parole à M. Abdullah Al-Hinaï de la Fédération arabe des bibliothèques et informations pour répondre dans une sorte à la présentation de Rina. Bonjour, bonjour. You hear my voice? Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Merci, merci beaucoup, Chouba. Alors, les travaux de Dr. Tebari sont une introduction importante à la technologie de la réalité virtuelle et notre mémoire numérique qui parle de des expériences de la capacité de génération future. Peut-être cela pourrait avoir des applications plus larges pour préserver l'histoire orale et la culture immatérielle, non seulement pour capturer les voies du passé, mais également la place, les contextes culturels. Le sultanat fait des efforts pour protéger le patrimoine culturel depuis les années 70 du 20e siècle. Le sultanat a donner beaucoup d'attention pour la préservation du patrimoine culturel à travers le ministère du Tourisme et du Patrimoine à la lumière des différents dangers que connaît le patrimoine culturel. Par exemple, les différentes tribus dans la région du Golfe, la géopolitique des frontières, les changements climatiques, les catastrophes naturelles, l'expansion urbaine et comportement individuel et l'histoire orale. Le ministère a fait beaucoup d'efforts pour essayer de protéger au maximum ce patrimoine culturel comme suit. Préservation durable du patrimoine architectural, renforcement du secteur des musées, élection de sultanat pour la troisième fois comme membre du comité du patrimoine mondial. Le dernier mandat était en 2019, un mandat de 4 ans, commençant en 2019 jusqu'en 2023, et participant dans les conférences et les réunions sur la protection du patrimoine culturel. Nous utilisons la réalité virtuelle dans les musées, les autres technologies, la cinématographie, surtout pour l'histoire omani, et ceci pour les générations futures. Voici quelques points sur le rôle du sultanat dans la protection du patrimoine documentaire historique. Merci. Merci beaucoup, Abdullah. Rina, je me demandais si vous vouliez répondre à ces deux interventions de Tepaya et de Abdullah. Merci beaucoup, Tepaya et Abdullah. Tepaya a soulevé un point très important sur le rôle de la souveraineté des données autochtones. Lorsque je regarde le projet de Missions Connect ainsi que les histoires et les mémoires, les souvenirs partagés par les survivants, c'est leur IP individuel et
comment ils veulent le partager, avec qui ils veulent le partager et combien d'accès et contrôle ils veulent donner au public en général doit être dans, entre leurs mains. C'est ce que nous avons essayé de faire. Qui plus est, cela devient très important d'avoir un système de gestion durable de ces données. Et c'est là où je dis que lorsque nous traversons un monde numérique afin de préserver leur patrimoine, alors cela nous donne le potentiel de l'utiliser comme un répertoire de patrimoine vivant. Comme par exemple, dans ce projet spécifique, lorsqu'on l'a montré à nos membres de communautés aborigènes, certaines personnes ont dit « Ah, ma grand-mère appartenait à ce site de mission !» Et on l'a emmenée là-bas et elle aimerait beaucoup participer et contribuer. Sa voix fut enregistrée, ses histoires, sa mémoire fut enregistrée. Et cela devient donc, si vous voulez, un patrimoine vivant, un répertoire de patrimoine vivant. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, Tipaya. Lorsque nous parlons de comment les autorités du patrimoine ou les registres peuvent reconnaître certaines de ces outils numériques, alors c'est très important qu'ils voient que la souveraineté des données a bien été maintenue. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Par rapport à Abdullah, l'application plus large, je suis tout à fait d'accord. Nous avons essayé cela en Australie, mais pas seulement en Australie. Nous avons eu des conversations avec le Canada, dans les écoles résidentielles canadiennes, des peuples de la Première Nation seront tout à fait intéressés par cela également. Donc, merci, Abdullah. Merci. Est-ce que je peux juste apporter une réponse? Absolument, Tepaya, vous pouvez. Réponse. Merci beaucoup pour cette réponse, Rina. Je pense que nous sommes vraiment à la même page, pour ainsi dire. Je suis personne responsable pour la politique, étant donné que les données autochtones ne sont pas gérées par les autochtones. C'est un levier clé pour la souveraineté des données. Et sous le modèle de gouvernance, il y a les droits, valeurs, tout à fait ce qui a été soulevé par Rina. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous commencions à utiliser ces termes qui sont utilisés de façon acceptée au niveau mondial. Et si nous pouvons mettre en vigueur la gouvernance autochtone et le contrôle autochtone des données autochtones pour énumérer des politiques et avec des mécanismes, des cadres qui reflètent les valeurs autochtones, alors nous aurons plus la possibilité de ne pas risquer de répéter les pratiques du passé qui, même inintentionnellement, avaient marginalisé les personnes autochtones. Merci. Oui, merci beaucoup, dit Shuba. C'est une session avec le travail très innovant de Rina, regardant les droits des autochtones de point de vue de Tepaya et comment cela pourrait être appliqué dans la situation à Oman. Je voudrais maintenant ouvrir, donner la parole pour des questions pour 10 minutes. Alors, jusqu'à ce que nous recevions d'autres questions, voudriez-vous commenter? J'ai lu votre papier et vous avez beaucoup travaillé avec la réalité virtuelle. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, absolument. Absolument, Shuba, dit Rina. Nous parlons du patrimoine numérique et en particulier dans mon cas, je parle de la conservation du patrimoine des peuples de Première Nation. Je voudrais également souligner son importance afin
d'éduquer nos générations futures, en particulier nos enfants aborigènes, sur ce qui s'est passé à leurs parents, à leurs grands-parents, à leurs aïeux, car il y a tellement de traumatismes intergénérationnels qu'ont ces communautés. Et il est très important pour eux de voir la cause, la source de ce traumatisme. Et donc, ceci devient très important pour nos générations futures. Lorsque nous parlons des générations futures, nous parlons de la technologie, parce que nos enfants, nos petits-enfants seront excellents dans la technologie et ils voudront avoir quelque chose de la sorte où ils peuvent vraiment apprendre en jouant, apprendre l'histoire. L'éducation est donc un composant important. Et cela devient également important comme un outil dans la sensibilisation culturelle pour les personnes non autochtones. Et c'est très important pour qu'eux-mêmes voient ce qui s'est passé, pour qu'ils connaissent les vraies histoires derrière cela. Et donc, en tant qu'outil de sensibilisation culturelle, cela devient important. D'autres éléments que Shuba a déjà mentionnés sur la guérison, la réconciliation. Donc, ce Missions Connect et ce genre d'outils pourraient faire tant de choses en même temps. Je vous remercie. Merci. Je vois comment ça a des implications pour tant de nous lorsque nous traitons de la décolonisation, lorsque nous voyons comment nous répatrions pas juste le matériel et l'appropriation du matériel, mais la voix des gens à qui cela appartient, qu'ils soient colonisés ou qu'ils appartiennent à des générations volées. Cette approche est importante dans vos travaux et avec cette technologie de pointe qui attire toujours les jeunes, nous voyons comment les jeunes générations seront attirées par la technologie et puissent l'utiliser. Et comme vous l'avez très bien dit, ce n'est pas pour ce dont c'est la culture, mais également pour d'autres, pour créer une sensibilisation. Donc, il y a les implications locales et globales. Une implication locale et globale. Donc, merci beaucoup à vous tous. Tepaya, est-ce que vous voudrez, Abdullah, est-ce que vous voulez faire un dernier commentaire? Il ne semble pas que nous ayons beaucoup de questions, mais peut-être quelques éléments de conclusion de nos partenaires de dialogue. En effet, dit Tepaya, je vous voudrais revenir à un commentaire sur le dortoir pour hommes qu'avait évoqué Rina. C'était très intéressant. Les personnes autochtones oubliant cette partie du passé, et pourtant la partie du dialogue, c'était peut-être qu'on le garde, car il y a peut-être des valeurs de cela pour l'avenir. Et je me demandais qui décide qu'on le retient. Est-ce que ce sont les personnes autochtones ou pas? J'aimerais ajouter une pensée finale. Je sais que cela ne s'applique pas au patrimoine numérique. C'est le droit d'être oublié, car une fois qu'on le garde numériquement, il faut que ceci dure. Et ceci peut avoir des conséquences non intentionnelles pour les personnes que nous essayons d'aider. Merci. Bien que vous ayez soulevé cette question, avec le dortoir pour hommes, les survivants ont dit qu'ils ne voulaient plus rien avoir avec cela dans cette période de temps, car ils essayent encore de confronter leur traumatisme et ils sont à des stades différents du processus de guérison. Nous avons donc décidé que nous n'allons pas inclure le dortoir pour hommes dans l'environnement de réalité virtuelle parce que les survivants ne le voulaient pas. Donc, nous ne l'avons pas inclus, ce bâtiment spécifique. Néanmoins, dans l'avenir, au fur et à mesure que les survivants parcourent leur voyage de guérison et nous disent très bien, nous sommes maintenant en position où nous pouvons en parler. Nous pouvons parler de nos activités,
quelques peut-être bons souvenirs, laissant de côté les mauvais souvenirs, alors il y aurait une option dans l'avenir de l'inclure. Pour l'instant, donc, c'est non, nous ne l'avons pas inclus. Merci. Il y a une question. Il y a une question. Deshoba, nous avons une série de questions. La technologie de réalité virtuelle était-ce une barrière pour l'engagement des personnes autochtones? Est-ce que Mission Connect a avoir des technologies pour résoudre des interprétations conflictuelles du patrimoine? Premier point, pour ce qui est la barrière représentée par la technologie. Lorsque les survivants ont fait l'expérience de cet environnement de réalité virtuelle par le biais des écouteurs ou des écrans cylindriques où ils pouvaient vraiment s'immerser, en tant que groupe, il n'y avait pas de problème du tout. Ils étaient fascinés par la technologie. Et d'ailleurs, il y a eu des conversations où les mémoires ont été déclenchées et ils se parlaient. Ah, tu te souviens de cela? Tu te souviens de cela? Et c'est devenu donc un environnement qui a déclenché des discussions, des mémoires, des souvenirs parmi les personnes. Donc, ce n'était pas une difficulté du tout. Maintenant, pour ce qui est du deuxième point qui a été soulevé, sur les interprétations contrastées. Oui, lorsque nous lisons un certain nombre de documents, les sites de mission, des missions et les documents gouvernementaux, les sites des missions et les raisons pour lesquelles les enfants aborigènes étaient institutionnalisés, et des raisons sont assez différentes, celles qui sont données. Néanmoins, Missions Connect prend le point de vue des colonisés et des survivants qui racontent leur histoire, leur interprétation. Et donc, je suppose que c'est un point de vue qui contraste avec le point de vue prévalent qui est raconté dans un grand nombre de documents. Est-ce qu'il y avait des points de vue conflictuels parmi les autochtones? Parmi les survivants, est-ce qu'il y avait des points de vue conflictuels ou différentes interprétations de quelque chose? Et comment le réconcilier, ces points de vue conflictuels? Rina, oui, les survivants ont des souvenirs heureux et tristes. Donc, certains des survivants parlent des bons moments qu'ils ont passés parce qu'ils veulent juste évoquer cela. Mais ce n'est pas la bonne image, la bonne description. C'est pour cela que les histoires de tous les survivants, tous ceux qui ont participé au projet, puissent faire entendre leur voix. Et on peut identifier les survivants, celui que vous voulez suivre, qui vous voulez écouter. Donc, vous avez différentes interprétations, en effet. Merci beaucoup. Je pense qu'il nous reste une minute. Il y a une question pour Tipaya. Quelle serait la meilleure façon de commencer une discussion sur la souveraineté des données autochtones, mais avec les communautés? Parce que peut-être que de par le monde, on n'est pas au courant des publications de 2016 ou NASAPA qui sont propriétaires de ces données. Avec une courte question. Quelle courte réponse, Tipaya? Réponse, Tipaya. Le site le plus utile serait l'International Work Group pour IWGIA. Et il y a une organisation sur la protection des droits des Autochtones. Et il y a de la bonne documentation également sur la souveraineté des données autochtones qui fait référence au principe de CARE et de principe de crainte. Je
suppose que vous savez de quoi il s'agit, quand est-ce qu'il s'agit. CARE, c'est un cadre avec les FEAR principles, quatre principes, bénéfices collectifs. Les écosystèmes des données seront conçus et fonctionnent pour permettre aux autochtones de tirer bénéfice des données. A pour autorité à contrôler les droits des autochtones, les intérêts dans les données autochtones doivent être reconnus et l'autorité à contrôler de telles données est responsabilisée. Responsabilité pour ceux qui travaillent, des gens comme nous, des institutions mémorielles, travaillant avec des données autochtones, ont la responsabilité de partager comment ces données sont utilisées pour soutenir l'autodétermination des personnes autochtones et l'avantage collectif. La responsabilisation veut dire les preuves ouvertement disponibles et les avantages pour les personnes autochtones. Ensuite, l'éthique. Désolé de vous interrompre, mais je pense que nous arrivons vraiment ethics, tout le monde connaît l'éthique, donc C-A-R-E, CARE, éthique en grandes lettres, et je suis sûre qu'on l'évoquera dans cette journée. Merci Théa, Rina et Abdallah. Nous avons beaucoup de réflexions sur cette question. Donc, merci encore une fois. Et l'IT, vous avez de nouveau la parole. Merci. Merci à tous pour ces discussions passionnantes. Le point suivant est une brève pause de 5 minutes jusqu'à 9h06, heure d'Europe centrale. Pendant ce temps, l'on montrera des informations sur le registre international de mémoire du monde de l'UNESCO. Donc, merci de nous rejoindre au bout de ces 5 minutes pour la discussion sur la durabilité.
Excellencies, ladies and gentlemen. Excellences, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à notre session 1 sur le dialogue politique de l'UNESCO. Nous en sommes au deuxième sujet de cette session où nous allons parler des défis et des difficultés et stratégies en matière de préservation numérique du patrimoine documentaire, mais de façon durable, en particulier à la lumière de la pandémie et de la récession économique. L'animateur de cette discussion est le Dr Robert Buckley, qui est conseiller technique aux Archives nationales des Émirats arabes unis. Il a également un doctorat en sciences de l'ingénieur en électricité du MIT et il a travaillé chez Xerox pendant 28 ans avant de devenir responsable scientifique chez Rob Buckley Consulting. Merci, bonjour. Dans cette partie de la session, il y aura trois présentations et ensuite une discussion et des questions de l'auditoire. Donc, je souhaite la bienvenue à notre premier intervenant, Jeffrey van der Hoven, qui est responsable du département préservation à la Bibliothèque nationale des Pays-Bas. Jeffrey, merci beaucoup. Merci pour ces mots d'accueil. Je vous partage ma présentation. Je vais parler des Pays-Bas. Et merci beaucoup au comité organisateur de l'UNESCO d'avoir m'avoir invité dans cette période marquée par de forts changements. Je vais vous montrer comment la Bibliothèque nationale des Pays-Bas traite de la question de la durabilité, en particulier dans ce monde difficile dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et nous pensons que travailler ensemble est encore plus important que dans le passé. Et nous pensons qu'un nouveau paradigme est nécessaire où l'on va passer d'une réflexion institutionnelle à une réflexion plus organisationnelle et je vais vous en parler plus en détail. La Bibliothèque nationale des Pays-Bas a très tôt adopté et compris le potentiel de la révolution numérique avec une numérisation à grande échelle des livres, magazines et journaux dans la fin des années 90. Et ensuite, en acceptant très rapidement, dès 2002, des éditeurs néerlandais, des publications numériques. Le résultat en est que des millions de livres, d'articles de journaux sont aujourd'hui numérisés et entièrement accessibles aux lecteurs, aux étudiants, aux chercheurs sur la base de notre service en ligne et dans nos salles de lecture. Depuis 2002, la bibliothèque a mis en place une archive à long terme opérationnelle avec des millions d'articles scientifiques et de e-books d'éditeurs néerlandais et internationaux. Et aujourd'hui, nous sommes en train de moderniser cette archive pour qu'elle soit plus évolutive et plus robuste pour l'avenir. Dans le contexte international, nous participons également au programme PERSIS de l'UNESCO et nous essayons de définir ensemble un certain nombre de critères pour les métadonnées. La bibliothèque a quelque 7 millions d'objets physiques et 538 salariés. Alors, qu'est-ce que c'est que la durabilité? Comme on l'a entendu des précédents intervenants, la durabilité, c'est d'abord un défi technologique, mais pas seulement. Il faut aussi voir comment l'on pense, comment l'on envisage son organisation. Il faut aussi penser au-delà de sa propre, de son organisation actuelle. Et en fait, nous espérons que le meilleur se produira, mais l'on prévoit que ce soit le pire qui se produit. Je crois que c'est de cela que l'on parle quand on parle de durabilité. Il faut penser à tout ce qui concerne le renforcement des capacités. Comment avoir les compétences et l'expertise en matière de conservation à long terme? Il faut aussi réfléchir en termes de planification financière. Comment est-ce que je vais pouvoir continuer à assurer la vie de ces collections numériques à long terme? Ensuite, il y a la question de la gestion du risque. Que se passera-t-il dans, qu'est-ce qui pourrait se passer dans quelques années? Ensuite, il faut penser à l'aspect de la succession.
Et que se passe-t-il si l'organisation n'est plus en mesure d'assurer son travail et quelqu'un d'autre pourra-t-il reprendre le relais? Et puis, il y a l'aspect de gouvernance, les politiques à mettre en place et l'engagement de la direction. Donc, dans la situation actuelle, comme ça a été dit par notre présidente, les défis sont très importants. Les défis pour préserver cet patrimoine numérique à long terme sont plus grands aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été. Le volume, la diversité des collections numériques est considérable et elles sont en fait le reflet de notre patrimoine numérique du monde entier. On a un nombre accru de publications aujourd'hui qui n'ont plus de source physique ou de support physique, mais qui sont des sites web, des e-books, des journaux numériques et qui sont devenus la solution par défaut. Et si l'on perdait cela, on aurait véritablement un trou noir dans notre histoire écrite. Mais il y a aussi des opportunités. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tout seuls. Un grand nombre d'organisations fait face aux mêmes problèmes en matière de conservation numérique et il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, des recherches, des choses qui sont disponibles. Ce n'est pas un monde fermé sur lui-même. L'on ne doit pas se concentrer seulement sur la préservation. Il faut aussi penser à l'accès, il faut penser à la réutilisation également. Et évidemment aussi à la préservation, qui est un sujet important. Donc, comment est-ce que l'on peut l'accomplir? Eh bien, pour réussir, il nous semble qu'un nouveau paradigme est nécessaire pour passer de cette réflexion institutionnelle en silo vers des réseaux organisationnels. Nous avons actuellement des choses qui sont limitées par nos propres capacités. Mais quel serait le potentiel si l'on associait nos énergies, si l'on coopérait pour obtenir un résultat encore plus fort? Et nous voyons ici comment les institutions peuvent s'organiser. Dans un premier temps, on définit des solutions pour notre problème. Après, l'on peut commencer à travailler ensemble avec des services partagés avec un certain nombre de partenaires. Ça, c'est la façon classique de fonctionner aujourd'hui. Ça fonctionne relativement bien, mais ce n'est pas quelque chose qui va nécessairement libérer le plein potentiel de notre travail. Par conséquent, ce que nous visons, c'est un réseau où chacun des partenaires va apporter sa part pour un objectif commun. Et c'est ce que l'on appelle un réseau organisationnel qui a été défini et décrit par un certain nombre de chercheurs, en particulier Patrick Kenis. Tous les partenaires s'associent pour une vision commune et chacun des partenaires dans le réseau partage des connaissances et des services dont tous les partenaires peuvent profiter. À cet égard, différentes organisations peuvent offrir leur domaine de spécialité ainsi, le réseau pourra résoudre les problèmes. Je vais vous donner un exemple. J'ai mentionné brièvement le réseau du patrimoine numérique néerlandais. Il s'agit d'un réseau de quelques 80 organisations et 5 domaines spécifiques qui participent à ce réseau. Nous sommes unis dans la diversité parce que nous souhaitons surmonter nos différences pour atteindre le même objectif, de façon à ce que notre patrimoine numérique soit durable, visible et utilisable. Donc, nous nous concentrons sur un processus collaboratif de partage de services et de connaissances. Il n'y a pas d'institut qui s'occupe du réseau en tant que tel. Tout le monde peut participer. Nous croyons à cette puissance du réseau. Il faut aller au-delà de ce travail en silo, il faut travailler ensemble vers un objectif commun.
et les petites organisations peuvent apprendre des grandes, les grandes peuvent aussi apprendre des petites. Et l'on se concentre principalement sur l'accès et la réutilisation. Et j'espère que ce réseau pourra être un exemple pour d'autres pays qui souhaitent se lancer dans cette entreprise. Et si l'on veut aller loin, eh bien, allons-y ensemble. Donc, si vous souhaitez en apprendre davantage, je vous invite à garder ces références. Merci beaucoup. Thank you, Jeffrey. Merci beaucoup, Jeffrey. Oui, donc espérer le meilleur, mais prévoir le pire. Et puis la deuxième chose que j'ai, qui m'a beaucoup plu, c'est que oui, effectivement, on peut aller plus vite tout seul, mais l'on peut aller plus loin quand on travaille ensemble. Et il me semble que ce sont de très bons messages. Alors, l'intervenante suivante est Madame Marcy Hopkins de la British Library. Elle va parler de modèles de partenariat et de leur rôle en matière de durabilité, en particulier la façon dont ceci a été mis en place pour la British Library. Bonjour, merci beaucoup Robert. Je vais partager mon écran avec vous. Thank you. My name is Marcy Hopkins. Je m'appelle Marcy Hopkins. Je suis la responsable de la section internationale de la British Library. Je ne suis pas experte de préservation, mais j'ai une vue générale de tous les partenariats internationaux au sein de la British Library. Nous travaillons également dans un certain nombre de réseaux et je me concentrerai davantage sur les aspects pratiques des partenariats. Et pendant 10 minutes, je vais vous présenter un certain nombre de projets et vous dire comment ils ont été mis en place. Quelques informations, si vous ne connaissez pas, voilà à quoi ressemble la British Library. Nous sommes l'une des bibliothèques du Royaume-Uni, l'une des six de dépôt. Nous avons été fermés pendant le confinement et nous sommes aujourd'hui de nouveau ouverts avec des lecteurs qui peuvent venir dans nos salles de lecture. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons 170 millions d'objets dans notre collection et nous avons quelques 12 kilomètres de rayonnage supplémentaire chaque année. Chaque année également 80 téraoctets supplémentaires de stockage numérique et 2 milliards de pages de contenu du web. Nous avons donc une archive sonore. Nous avons également une archive de brevets et un certain nombre de titres de journaux. Nous travaillons actuellement sur notre stratégie du savoir vivant avec six piliers, dépositaire, recherche, entreprise, culture, apprentissage, international. Et nous essayons de voir comment faire participer davantage de personnes à nos travaux. Et notre objectif principal qui me dans ce plus, c'est l'international, c'est-à-dire que nous travaillons avec des partenaires dans le monde entier pour faire avancer les connaissances et notre compréhension mutuelle. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à travailler avec des régions du monde dont les cultures, les histoires sont les plus présentes dans la collection de la bibliothèque. Et il s'agit également d'avoir un rôle de leadership dans le cadre du réseau des bibliothèques nationales et d'appuyer d'autres institutions dont la collection sont en péril, soit en raison de guerre, soit d'urgence civile. Je voudrais vous parler maintenant de quelques-uns de nos projets. Ici, vous avez notre programme d'archives en péril
en danger, c'est financé par Acadia et qui finance donc la numérisation d'archives dans le monde qui sont en péril, qui pourraient être détruites, perdues, etc. Et donc, on achète des équipements de numérisation, des humidificateurs, des ordinateurs portables, mais ça finance également des formations. Tous les projets sont menés dans les pays dans lesquels les archives sont détenues et l'équipement va rester dans le pays ensuite pour qu'on puisse poursuivre le travail. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait des personnes formées et qui puissent être sur place. Mais l'idée aussi, c'est d'avoir des copies à la bibliothèque britannique. Nous avons travaillé dans plus de 90 pays dans le monde, même dans des endroits très reculés. Ici, vous avez une photo d'une personne qui conseille des bénéficiaires de subventions et vérifie la qualité des activités. Nous avons également publié un guide pour la préservation dans les régions les plus reculées. C'est disponible en ligne. Ça s'appelle Remote Capture. Et je voudrais vous parler maintenant d'un autre projet avec les musées palestiniens. Le musée palestinien était en train de mettre en place un nouveau studio de conservation et de préservation. Ils avaient besoin de formation, de conseils. Et donc, il y a eu un partenariat avec la Welfare Associations au Royaume-Uni et nous avons utilisé le fonds de protection culturelle qui est mis en place par le ministère britannique de la Culture et ça nous a permis de financer l'équipement de ce studio et puis nous avons également permis à deux personnes de s'y rendre pendant 6 semaines. Ensuite, quelques mois plus tard, nos experts se sont rendus dans le musée pour donner des conseils in situ. Et grâce à cela, eh bien, le musée palestinien était en mesure de numériser 3000 de leurs éléments de collection, d'articles de collection qui étaient en danger. Et vous voyez ici des photos du travail qui est réalisé et puis notre expert qui se rend en visite dans le musée pour apporter ses conseils sur place. Et ça, c'est un nouveau modèle. Nous allons voir comment ça fonctionne parce que les compétences en matière de conservation, de préservation, c'est quelque chose qui est très difficile de transmettre en ligne. J'ai également inclus dans ma présentation une planche sur le projet de partenariat avec la Fondation du Qatar. Nous avons travaillé avec la Fondation du Qatar et la Bibliothèque nationale du Qatar. Il s'agit d'un partenariat de longue date qui entre dans sa deuxième phase. L'idée, c'est de numériser des collections liées aux manuscrits scientifiques du Golfe et arabes. Et tout ça vise à avoir une approche cohérente. L'ensemble des contenus numériques et des articles sont disponibles gratuitement sur un portail, à la fois en anglais et en arabe. Ce qu'il faut mettre en avant ici, c'est qu'en fait, il y a vraiment eu un travail de catalogue très important pour ce programme. Ça prend énormément de temps, difficile à automatiser. C'est vraiment un travail qui se fait de manière manuelle pour pouvoir cataloguer page après page chacun des éléments. Et puis, enfin, c'est la première fois que nous avons mis en place un programme pour les responsables des bibliothèques internationales. Et l'idée, c'était vraiment d'échanger avec d'autres
Pourquoi? Eh bien, parce que nous étions contactés plusieurs fois par an par des personnes qui souhaitaient savoir comment nous travaillions. Alors, plutôt que de simplement partager nos normes, il nous a semblé qu'il était utile que les autres puissent rencontrer nos équipes et vice-versa. Donc, nous avons mis en place un programme sur une semaine avec des discussions sur la conservation, la préservation, la numérisation, mais également sur la manière dont on peut apprendre les uns des autres et faire montre de leadership. Ici, vous voyez quelques séances de ce programme de formation, rencontre avec notre équipe de numérisation. L'idée, c'était vraiment de pouvoir montrer quelles étaient les meilleures techniques utilisables pour les différents formats. Et nous avons ici notre responsable de notre département de numérisation. C'est l'une des séances les plus populaires l'année dernière. Nous restons en contact avec ce groupe et en novembre cette année, nous allons nous recontacter pour faire un point. Sur ma dernière planche, je voulais dresser une liste des éléments que nous avons pu observer avec nos différents projets à la Bibliothèque britannique. D'abord, le contact personnel, les liens personnels permettent véritablement d'établir une confiance. Et ça met souvent du temps de mettre en place des partenariats sur le long terme. Mais c'est quelque chose qui est très, très utile. J'en ai parlé pour le musée palestinien. C'est vrai que des nouveaux contacts ont été mis en place. Nous nous ouvrons à d'autres manières, des nouvelles manières de travailler, tout particulièrement à l'aune de la pandémie actuelle. On travaille en ligne, ça peut permettre de travailler plus souvent ensemble et plus facilement, mais ça, il y a également des défis qui se posent. De nombreux organismes connaissent une baisse de financement, ce qui peut effectivement les empêcher de participer au réseau ou de renoncer à du personnel. Et puis, deux organismes vont toujours avoir des objectifs stratégiques différents et certains ont des objectifs commerciaux, d'autres souhaitent ouvrir les collections à tous. Les opportunités de se rencontrer en présentiel se raréfient. Alors, comment arriver à garder les liens personnels, les amitiés, la confiance en place? Et puis ensuite, il y a la technologie, on en a déjà parlé, les infrastructures numériques. Nous avons un projet. Parfois, qu'il faut que nous mettions en attente parce qu'en fait, nos partenaires ne peuvent pas voyager actuellement. Voilà, je m'en tiendrai là pour ma présentation. Merci beaucoup. Merci, merci. Vous voyez, je crois qu'il est important de souligner les messages que nous ont transmis Jeffrey et Marcy. On comprend bien le rôle des technologies dans la préservation et la conservation, mais il y a également le rôle des institutions et puis un rôle des institutions entre elles. Je reviens également sur ce que vous avez dit quant au fait que vous disposez dans vos collections des éléments qui appartiennent à d'autres cultures. Ça nous ramène au premier sujet de la journée. Mais avant d'y revenir, je voudrais qu'on passe à la partie débat, dialogue. Nous avons trois personnes qui vont réagir à vos présentations et nous donner leur avis sur la durabilité et la préservation. D'abord, nous allons entendre M. Bumni Alekbele de l'Université d'Ibadan au Nigeria. Il a également travaillé au département d'archives là-bas. Et il a également œuvré dans le cadre de la Fédération internationale des associations et des institutions de bibliothèque, IFLA. Moni, c'est à vous.
I think we're having some technical difficulties. Non, je pense que nous avons quelques petites difficultés techniques. Nous n'arrivons pas à la contacter. Je vous propose donc, sans plus attendre, de passer à Leila. Leila, vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour. Je présente professeur Leila Hussein Mustafa, qui est professeur à l'Université d'Illinois, Urbana-Champaign, aux États-Unis. Elle est également spécialiste du Moyen-Orient et elle travaille sur la question des droits humains. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'était une séance très intéressante. Je voudrais vraiment vous remercier d'avoir, je voudrais remercier M. Koo d'avoir initié ce dialogue politique très important. D'après ce que j'ai entendu des interventions de mes collègues des bibliothèques nationales néerlandaises et britanniques, en fait, ils rencontrent les mêmes défis. Et je pense que c'est un défi que chacun d'entre nous rencontre. Vous faites un travail formidable avec le réseau que vous avez mis en place, une coopération entre différentes organisations à l'échelle locale ou internationale. Et d'ailleurs, on en aurait besoin davantage. Mais les défis auxquels vous faites face, eh bien, j'y réfléchis. Et en fait, j'ai beaucoup lu sur la préservation du patrimoine culturel. Ça fait 8 ans, j'ai beaucoup publié sur la question. Et en fait, on avait un plan et puis la pandémie est arrivée et nous devons tout repenser. Mais je pense que ce que l'UNESCO a lancé, eh bien, nous devons en profiter. L'UNESCO a des bureaux dans le monde entier et l'UNESCO dispose d'une expertise. Mon idée est la suivante. Si l'on veut dépasser certains des défis, eh bien, il faut que nous mettions en place des partenariats pour les technologies. Et finalement, on obtient ce que le marché nous offre. Nous n'avons pas le rôle de prescripteur, en fait. On ne dit pas au marché ce dont on a besoin. Et en fait, il faudrait qu'il y ait des normes internationales, des métadonnées plurilingues, parce que la plupart des métadonnées sont en anglais. Et ensuite, il faut qu'il y ait un accès à ces métadonnées, mais en fait, les OCR qu'on utilise lorsqu'on fait du data mining, du text mining, ça ne fonctionne pas avec toutes les langues. Donc, il faut qu'il y ait des normes pour toutes les langues. Ensuite, il faudrait créer des banques de données internationales qui disposent de boîtes à outils de préservation, afin qu'on sache exactement ce qui existe. Parce que pour le moment, on ne sait pas. C'est-à-dire que si je vais acheter quelque chose, eh bien, je ne sais pas que Jeffrey dispose déjà de cet outil et je pourrais contacter Jeffrey peut-être pour savoir ce qu'il en est avant d'acheter cet outil. Donc, je pense qu'il nous faut vraiment une boîte à outils, mais également qui ait des compétences afin que nous sachions qui dispose de quelles compétences, dans quelle langue. L'UNESCO propose des formations, une formation au Nicaragua. À ce moment-là, on n'a pas besoin de faire venir quelqu'un de Londres parce qu'on a peut-être quelqu'un du Nicaragua qui pourrait fournir cette formation. Et c'est tout particulièrement vrai aujourd'hui. Avec la pandémie, il faut que nous limitions nos trajets, nos voyages. Et puis, nous pouvons également organiser des ateliers de préservation numérique. Nous organisons de nombreuses formations, mais on pourrait peut-être les enregistrer, les diffuser davantage, plutôt que chacun ne réinvente la roue. Ensuite, il faut que nous ayons des sources de financement avec des partenariats, des modèles d'activité. Et finalement, la technologie a besoin de nous. Ceux qui créent les outils ont besoin de nous. Ils ont besoin d'idées. Et peut-être qu'on pourrait mettre en place un partenariat avec IBM, avec Microsoft ou quelque autre opérateur. L'idée, c'est véritablement aussi d'organiser davantage. D'avoir une banque de données avec les fondations pour savoir qui donne de l'argent à qui. Et nous pourrions peut-être également trouver si la British Library numérise des articles de presse d'Inde sous tel titre, etc. Donc peut-être que
on pourrait travailler avec la British Library en disant, voilà, moi, j'ai 5 articles, je pourrais peut-être vous les passer plutôt qu'eux n'en fassent 20, moi, j'en fais 5. Donc, je pense qu'il y a une coopération internationale qui serait très utile. Et honnêtement, je pense que c'est l'UNESCO qui est la mieux placée pour coordonner cette coopération internationale. Je vous remercie. Thank you, Leila. Merci, Leila. Bunmi, je pense que vous êtes de retour maintenant. Oui, tout à fait. Oui, merci. Je vous ai présenté tout à l'heure, mais vous êtes donc à la tête du département des archives de l'université de d'Ibadan au Nigeria. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais pour commencer remercier l'UNESCO d'avoir organisé cette conférence. Et je remercie bien sûr également tous les organisateurs qui se sont assurés de la bonne tenue de ce dialogue politique. J'ai trouvé que c'était très intéressant d'écouter les présentations données par nos deux éminents intervenants. Il y a plusieurs points que nous partageons, mais les présentations également mises en avant les lacunes qui existent entre les pays qui sont avancés et les pays moins avancés. On observe des différences entre les deux. La première étant le fait que, bien sûr, il faudrait reconnaître le niveau de développement, le fait que le niveau de développement dans de nombreux pays africains n'est pas identique. Alors, certains pays font déjà beaucoup en termes de préservation numérique, d'autres peu. Alors, je peux vous parler de l'Afrique du Sud, du Sénégal et du Kenya, qui sont très bien placés en termes de numérisation, de préservation numérique, mais d'autres n'en sont pas du tout là. Et je voudrais présenter simplement peut-être quelques-uns des défis que nous observons. Le premier, c'est l'absence d'une politique nationale. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais évoquer aujourd'hui parce que notre dialogue politique porte sur l'élaboration des politiques publiques. Comment s'assurer de mettre en place des politiques sur la préservation du patrimoine documentaire? Et comment peut-on faire cela dans les pays en développement et particulièrement en Afrique? Les efforts qui ont été effectués dans certains pays africains n'ont pas porté leurs fruits parce que ça n'a pas permis de soutenir les efforts mis en place dans d'autres pays. Donc, il y a des inégalités qui mènent à un manque de financement. Avec ce manque de financement, bien évidemment, ou le manque de développement fait que le financement n'est pas donné, donc les budgets sont très limités, les budgets sont pauvres et ne permettent pas de faire grand-chose, et plus particulièrement en temps de la COVID où les financements sont principalement coupés. Nous pouvons également parler de personnes non formées, la numérisation du patrimoine documentaire a besoin des personnes formées. Ensuite, un manque d'infrastructures appropriées. Lorsque j'ai entendu écouter Jeffrey van der Hoeven, on voit que l'infrastructure est importante et en Afrique, ce qui manque, c'est l'infrastructure. Soit il n'y est pas du tout, soit il n'est pas adéquat. Nous parlons également pauvre accès à Internet
être de niveau suffisant. Et lorsque nous regardons les présentations, il y a des éléments qu'on peut vraiment souligner. La présentation où les réseaux sont mentionnés. Ça, c'est un point très important. Pour les pays en développement de l'Afrique devraient le regarder. Quelque chose que l'on peut tester, essayer pour voir quel pourrait être un succès. Et Marcy Hopkins a parlé de l'intervention sur les archives en péril. Mon organisation, mon pays a profité de cette action. Et je pense qu'il faut l'étendre dans l'avenir. Je voudrais également commenter sur les autres pays. Ce que le BL fait dans la préservation patrimoine documentaire, toute aide à ces pays pourrait être très, très, très bien. Library leadership program, which is, if you can have more countries do that, much welcome. Si les pays peuvent partager leur expertise, cela peut être tout à fait bénéfique aux autres pays. Nous voulons que les pays suivent ce que fait le British Library. Nous voulons que davantage soit fait pour que davantage de personnes puissent en bénéficier. Et que nous puissions voir davantage de progrès faits dans le domaine de la préservation de matériel archives et fichiers qui sont en danger. Sur ce, j'aimerais remercier encore une fois les organisateurs et j'espère que ce sera une façon de nous assurer que nous sommes en lien avec ce qui se passe également dans les pays en voie de développement pour que nous puissions dans ces pays en bénéficier. Merci à l'UNESCO pour tout ce que vous faites. Merci. Merci, Bonmi. C'était une réponse très, un commentaire très enthousiaste. Nous avons un dialogue de plus à écouter. Je voudrais présenter une équipe, le team ANRI, qui vient des Archives nationales de la République de l'Indonésie. Vous les voyez à l'écran, Monsieur Adigasit Pambudi, qui est à la tête de l'équipe de coopération, Monsieur Dani Sirato et Monsieur Preseto Utomo, de l'équipe informatique. Bonjour, vous nous entendez? Oui, nous vous entendons. Merci beaucoup de l'opportunité qui nous est donnée. J'aimerais saluer Marcy, Jeffrey, Monsieur Bonmi. Et Laila, le projet parle donc de grandes quantités de matériel numérique qui est lié également avec l'Indonésie. Nous sommes plus que d'accord avec ce qui a été dit par les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. J'aimerais donner quelques points de vue de l'Asie.
qui, pendant la pandémie de la COVID-19, a beaucoup affecté la politique du gouvernement de nombreux secteurs, y compris le secteur culturel, qui affecte la durabilité et la gestion des archives en Indonésie. Nous sommes un archipel avec une surface de 1,19 millions de kilomètres carrés avec 265 millions en population, avec 300 groupes ethniques et de très grand nombre d'îles. Les archives nationales de l'Indonésie, ils préservent le patrimoine. Nous avons 30 km d'archives textuelles, films, vidéos et d'autres matériels. Nos collections vont de 1902 à aujourd'hui. La collection la plus ancienne, c'est la Compagnie des Indes. Donc, vous avez ici là, une coopération entre les Pays-Bas et le Japon avec nous. Mon ami Danny va vous en parler un peu plus. Merci beaucoup. Merci de toutes ces informations sur ce sujet, un jalon très important en Indonésie en 2016, lorsque les archives nationales d'Indonésie ont créé un répertoire numérique pour préserver le matériel des archives. Donc, en fait, préservation pour les générations actuelles et futures. La préservation devient très importante dans la stratégie de préservation numérique des archives nationales de la République de l'Indonésie. La mise en œuvre du e-gouvernement permet aux archives nationales de l'Indonésie de faire les efforts pour assurer la durabilité de sa préservation numérique avec les institutions telles que le ministère des Affaires ou de la réforme administrative, au ministère de la communication et information, au ministère de l'éducation et de la culture et la Bibliothèque nationale de la République de l'Indonésie. Il y a également le réseau informationnel des archives. Comme Jeffrey l'a dit dans sa présentation, c'est ouvert au public. Les archives sont gardées dans les institutions des archives, gérées par le Centre de système d'archivage et de réseau d'information. Ils utilisent un logiciel CIA pour les archives municipales et certaines universités également gardent ces archives. Nous avons des partenariats avec lesquels nous travaillons. 2011, la République de l'Indonésie a travaillé avec le Cox Foundation comme organisation non gouvernementale des Pays-Bas. Peut-être que Jeffrey les connaît. Un programme entrepris pour augmenter l'accès des archives en Indonésie. Les activités concernent l'accès en ligne des archives et la préservation numérique. Public access
Vous avez donc le public qui a accès à ces archives via Internet. Je vais donc passer la parole à mon collègue informaticien. Donc, formation de nos ressources humaines pour la formation sur le numérique à l'étranger. Néanmoins, toute collaboration n'aurait pas de sens si l'institution elle-même n'avait pas une bonne politique qui impacterait le soutien financier et le focus sur la préservation numérique. Le 2021 sera l'année importante pour permettre d'augmenter la capacité de la préservation le logiciel pour augmenter la capacité des répertoires devient la priorité de l'institution pour s'assurer la préservation et accès par le public de ce patrimoine. La collaboration entre les institutions mémorielles et les parties prenantes nationales et internationales est très importante pour la durabilité de la, pour la préservation. Il est important que les institutions mémorielles reçoivent le soutien pour la mémoire collective du pays. L'infrastructure immeuble également de renforcement de capacité. Tout ceci est important car cela déterminera le succès du programme de la préservation numérique. Thank you, Team Henry. Robert, à vous. Merci beaucoup. Ce que j'ai entendu des présentateurs et des dialogueurs, il ne s'agit pas juste des institutions, mais les opportunités à travailler avec d'autres organisations et les valeurs qui peuvent être atteintes par ces collaborations, ces partenariats et ces réseaux. Donc ça, c'est un message fort important. Nous n'avons plus beaucoup de temps. J'ai quelques questions des participants. Est-ce que j'ai le temps de poser une ou deux questions, Letty, ou pas? Une, ok, très bien. Alors, j'ai une question ici qui était pour Jeffrey concernant à travers le réseau de l'organisation, est-ce que vous avez développé un répertoire de l'organisation ou est-ce que chaque institution se débrouille tout seul, n'a pas de répertoire partagé? Non, il n'y a pas un seul répertoire, même si, bien sûr, il peut y avoir une décision si on travaille dans un réseau qu'on peut ensemble faire un répertoire partagé. Mais ce n'est pas un aspect obligatoire. Donc, cela dépend des partenaires dans un tel réseau, même si je peux dire qu'il ne s'agit pas juste de l'infrastructure qui est nécessaire, mais également l'importance d'avoir des ambassadeurs, des coachs dans un réseau qui peuvent parler avec les différents partenaires et décrire les besoins pour que ces besoins puissent être communiqués parmi les partenaires dans un réseau. Il peut y avoir une solution, mais c'est une solution technique, mais il s'agit davantage d'un dialogue entre les partenaires au sein d'un réseau. Merci, Jeffrey. Merci. Une question pour vous. Pour avoir des copies de vos collections qui peuvent s'appliquer à un autre pays, une autre culture, par exemple, ce qui ressort de Archives en danger, ce programme, pour ceux qui veulent des copies du matériel que vous avez, qu'est-ce que vous leur répondez? La plupart des choses que nous rendons numériques sont gratuitement disponibles sur nos sites, donc différentes personnes peuvent avoir accès, utiliser
par le biais de nos catalogues ou un autre site web, ce qu'on appelle AIP. Sinon, vous pouvez contacter les services d'imagerie ou le Bureau international du British Library. Nous avons beaucoup de ces requêtes tous les ans et il suffit de demander spécifiquement ce qui vous intéresse et nous vous recontacterons pour vous aider à retrouver ce que vous recherchez. Merci, merci. Donc, avec cela, je vais clore la discussion, remercier nos orateurs et nos contributeurs de dialogue, et je vais redonner la parole à Letty. Merci, Robert, et au panel pour cette discussion fort intéressante. Alors, nous avons entendu dans les commentaires en ouverture par le DDG de l'UNESCO que les archives et institutions mémorielles dans une période de COVID-19 sont très importantes. Sans la préservation d'héritage de patrimoine documentaire, il n'y aura pas d'histoire. Et le présent le futur. Donc, la préservation est très importante dans une situation de pandémie. Monsieur David Frick a souligné quatre défis majeurs dans la préservation numérique du patrimoine documentaire qui confrontent les gouvernements, des institutions mémorielles et la communauté, le besoin de construire un agenda de politique pour adresser ces questions. Au titre de l'identité culturelle, ce qu'il nous faut, c'est de travailler vers un cadre et des orientations pour accéder à la signification des patrimoines documentaires et l'efficacité des pratiques et des méthodes pour une préservation à long terme du patrimoine culturel, y compris les risques culturels. Les gouvernements peuvent utiliser les orientations et les guidelines, le cadre pour évaluer les propositions et planifier le financement pour la préservation du patrimoine national. La discussion a également souligné le besoin de développer des stratégies afin d'adresser des mesures de préservation numérique pour prévenir ou atténuer les effets de la destruction de nos documentaires et autres patrimoines culturels. Il y a besoin politique nationale et institutionnelle pour soutenir une durabilité économique et pour certains l'infrastructure pour des initiatives de préservation à long terme. Nous avons entendu les speakers dans le panel qu'il est important pour les politiques d'encourager la formation d'un réseau, des partenariats parmi ceux qui pratiquent la préservation, la valeur de capital de la culture, très important pour l'économie. Ce travail est très important et très significatif et le sous-comité de la préservation ne pourra pas travailler tout seul. Nous n'avons pas l'expertise pour traiter toutes les lacunes. Nous avons eu la première session pour entendre des décideurs de l'industrie, entendre des voix de ceux qui travaillent, initier le dialogue entre les décideurs et ceux qui sont sur le terrain. Je voudrais remercier tout le monde, le sous-comité de préservation de l'UNESCO et pour tous ceux qui ont participé dans ce dialogue. Nous attendons votre retour d'informations et engager des séminaires, des groupes de travail et des activités dont nous parlerons dans le site web Persis de l'UNESCO. Alors, le dialogue n'est pas fini. Session 2 commencera à 17h CET, qui discutera des cadres juridiques, la technologie pour soutenir la préservation durable. Nous inviterons les représentants de l'UNESCO ainsi que de la communauté pour résumer les résultats clés de nos discussions d'aujourd'hui, qui ensuite préparera l'agenda pour le sous-comité sur la préservation dans les 2 à 3 années à venir.
Pratiquement utiliser le même lien pour la deuxième session. Et bien sûr, vous avez le lien YouTube sur lequel vous pouvez écouter les enregistrements à tout moment. Je vous remercie et nous nous verrons plus tard ce soir.